Camouflée le long des sombres frontières de notre système solaire, elle flotte, ancrée par une étoile, mais à peine touchée par sa chaleur. Elle voyage seule, et son calme apparent rappelle celui d'une autre masse bleue, l'océan. Neptune est la 8e planète depuis le Soleil. Elle a été découverte grâce à l'orbite perturbée d'Uranus. On a commencé à déduire qu'il y aurait une hypothétique 8e planète qui pouvait, avec son attraction, modifier la trajectoire d'Uranus. Après quelques calculs, la planète est identifiée en août 1846 par le français Urbain Le Verrier. Aujourd'hui, selon toute probabilité, Galilée est le véritable découvreur de la planète. Mais comme le physicien et astronome italien a répertorié Neptune comme une étoile, et non comme une planète, la découverte ne lui est pas attribuée. Effectivement, Neptune fait presque 4 fois la taille de la Terre, et pourtant c'est la plus petite planète gazeuse de notre système solaire. Pour autant, elle n'est visible, et par conséquent identifiable, que depuis un télescope. La plus grande planète gazeuse de notre système est Jupiter. Uranus, la voisine directe de Neptune, est encore un peu plus grande avec 50 724 km. Mais Neptune est en revanche la planète gazeuse avec la plus grande densité. Par conséquent, elle a une masse énorme. Elle dépasse Uranus d'environ 3 masses terrestres, ce qui en résulte de son attraction sur l'orbite de sa voisine. À environ 30 fois la distance qui sépare la Terre de notre étoile, ou 30 unités astronomiques, Neptune est la plus éloignée des planètes de notre système solaire. Il lui faut 4 heures pour recevoir les rayonnements solaires. Cette distance crée le plus grand des orbites des 8 planètes de notre système. Longue d'environ 165 ans, avec chaque saison dépassant légèrement les 40 années terrestres. Alors que les journées les plus courtes sur notre planète sont de 24 heures, elles sont de seulement 16 heures et 11 minutes sur Neptune. À une telle distance de la chaleur et des rayons du Soleil, Neptune est froide, sombre et glacée. Son cœur renferme un noyau solide, une fois et demie plus grand que la Terre. Ce noyau, composé de glace et de silice, constitue 45% de la masse de la planète. Le reste de la planète serait un océan d'eau, de méthane et de glace, d'ammoniac chaud et sous pression, entouré d'une couche de nuages. C'est une véritable cocotte minute dont les nuages formés, principalement d'hydrogène et d'hélium, comportent des traces de méthane qui donnent à cet océan sa couleur d'un bleu profond. De loin, les nuages lui donnent une apparence calme, mais de près, ils sont malmenés par le climat le plus intense du système solaire.
Sur cette planète, les vents dépassent les 1900 km/h près de 5 fois plus rapides que les vents les plus violents enregistrés sur Terre. Ces vents sont si puissants qu'ils transpercent le mur du son. Ce géant de glace, balayé par les vents, est entouré d'un écosystème paisible d'anneaux et de satellites. 6 anneaux encerclent la planète. Certains contiennent des arcs où la matière est plus dense. Officiellement, depuis 2006, Pluton n'est plus une planète, mais seulement une planète naine. Et c'est précisément pour cette raison que Neptune est aussi désormais la planète la plus éloignée du Soleil. Et pour ne pas être seul dans ce vide si froid et vaste, 14 satellites orbitent autour de Neptune pour lui tenir compagnie. Le plus grand d'entre eux étant Triton. Baptisé d'après le dieu des mers de la Grèce antique, Triton présente des volcans de glace et pourrait même renfermer un océan sous sa surface. Triton a un diamètre d'environ 2700 km. À titre de comparaison, la Lune de la Terre a un diamètre d'environ 3470 km et n'est donc pas beaucoup plus grande que Triton. Selon certaines théories, Triton n'est probablement pas une lune originelle de Neptune. En raison du mouvement orbital opposé, on suppose que Neptune a pu capturer le satellite il y a des milliards d'années. Tous les autres satellites se déplacent dans la même direction que la planète. Triton est donc une exception parmi tous les autres mystères de notre système solaire. Il y a encore beaucoup à apprendre de Neptune, de ses anneaux et de ses lunes. Comme pour Uranus, une seule sonde, Voyager 2, a rendu visite à ce corps céleste tant éloigné. En 1994, grâce au télescope Hubble en orbite autour de la Terre, Neptune peut être à nouveau observé. Le monde de Neptune est fascinant et unique en raison de son extrême éloignement de la Terre et du Soleil. Nous ne savons pas grand-chose de la planète bleue. Il y a une attraction semblable à la Terre sur Neptune. Comme la planète n'a pas de surface solide, il sera assez difficile de mettre le pied pour se tenir debout sur Neptune. Mais si vous ne vous enfoncez pas, vous remarquerez que l'attraction est presque la même que sur Terre. Alors que sur Terre, la gravité est de 9,800 mètres par seconde carré, l'attraction sur Neptune, elle, et de 11,15 mètres par seconde carré. Pour mieux nous rendre compte, voici un petit exemple. Si une personne pèse 70 kg sur Terre, elle pèsera environ 78 kg sur Neptune. Alors, combien peseriez-vous sur Neptune? Prenez votre poids et multipliez-le par 1,115, en supposant bien sûr que vous ne coulerez pas dans les entrailles de cette magnifique planète. Une autre mission était prévue pour 2019 qui incluait les planètes Jupiter, Saturne et Neptune a été mise en attente jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, depuis l'impact économique et financier suite au coronavirus, la NASA a gelé ses différents projets. Seule l'entreprise d'Elon Musk semble survivre dans ses élans, mais l'intérêt de l'étude des sciences qui nous occupent ne sont pas dans les priorités de notre cher milliardaire. Quand et si une autre visite aux confins du système solaire est prévue, nous ne le savons malheureusement pas. Nous ne pouvons qu'espérer qu'en apprendre bientôt davantage sur cette planète unique. Notre odyssée stellaire touchant à sa fin, je vais vous inviter à laisser place à votre imagination. Rêvez à ce que pourraient nous réserver de nouvelles technologies pour visiter encore plus loin. Là où l'œil humain n'a pas pu voir, là où se sont perdus les sondes Voyager 1 et 2, là où aucune divinité n'a laissé de nom, le vaste univers.